Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathan Doux et bienvenue dans ce nouvel épisode de Forspoken. C'est quand même bien plus classe quand l'écran n'est pas noir et qu'il y a réellement un fond d'écran sur le menu principal. On va continuer l'incroyable aventure qui est Forspoken. Qu'il y a une ville là-haut. Parce que pour le moment, je m'éclate bien sur la première heure de jeu. Nous ne le saurons jamais si nous n'escaladons pas. Hop. Alors, a priori, je ne peux pas utiliser mes compétences ici. Hop, cinématique. Oh, quelqu'un. Je suis là. Oh, on est sauvé. Je suis pas sûr. Ah non, ils ouvrent. C'est sympa. Hein? On est enfermé dans un cachot, tu vas rien comprendre. Le jeu. Sérieux? Ah. Et voilà. Avance, monstre! Avance, monstre! Hey, c'est qui que tu traites de monstre? Le monstre parle! Ouais, évidemment que je parle et pointe pas ton truc sur moi, du con! Avance! C'est bon! J'avance! Elle a pas sa langue dans la poche, hein? La langue dans sa poche. On est où là? Dans la ville de Sipal. Pourquoi il parle ma langue? J'ai constaté qu'il existait des similitudes entre les langues de différentes dimensions. Ok. Ok. Tant que j'ai une réponse, ça me va. Silence. Similitudes, et du coup tu fais la traduction, c'est ça? Laissez-moi partir. Pourquoi y aurait-il des similitudes dans la langue? Étant donné que sur Terre, il y a déjà des langues ultra différentes. Silence. Le tribunal, t'aimes ça, hein? Silence. Passe sa vie là-bas. Qui es-tu, petite? Et vous, alors? Fais preuve d'humilité et réponds à leurs questions. Ça va, je gère, arrête de jouer les petits chefs. Tu ne sembles pas comprendre la gravité de la situation. Non. Des embrouilles, j'en ai connu bien d'autres, et des pires, tu vois. Alors ferme ta grande bouche dorée et laisse-moi discuter. Regardez, elle parle à des êtres invisibles. Elle s'est accoquinée avec des démons. Quoi? Non, et c'est quoi ça, à accoquiner? Je souhaite entendre la réponse à la question de la conseillère Bellette, petite. Voilà, donc réponds. Je m'appelle Frey Holland. Je ne sais pas comment je suis arrivée ici. Je suis épuisée, affamée, et tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Ces vêtements sont étranges. D'où vient-elle donc? D'un autre monde. Vous voyez? Elle vient du monde infernal, sinon elle n'aurait pas survécu à la corruption. Petite, comment as-tu réussi à sortir de la corruption de Junun indemne? Je ne dirais pas vraiment indemne. C'est simplement parce qu'elle et la corruption ne font qu'un, mes amis. Nous devons l'exécuter immédiatement. C'est une sorcière. Mais quoi? Non, c'est du délire. Ce pas totalement je sais même pas ce que je fais ici. Je vous en prie, écoutez-moi. Elle pourrait nous aider. Qui souhaite s'adresser au conseil? Pardonnez-moi, je suis Odenkin. Ah, âme secourable. Et tu es qui, Odenkin? Le seul tort de cette femme est d'avoir survécu sur les terres corrompues. Elle a beaucoup à nous apprendre. Elle ne connaît de nous que nos armes. Montrons-lui que nous savons aussi être bienveillants. Le diable acceptera votre clémence et plantera ses crocs pour répandre le venin de sa corruption dans vos veines. Débarrassons-nous de cette étrangère au plus vite. Conseillère Bellette, je vous en prie. Voilà. C'est toujours la faute des étrangers. Et si c'est pas Odenkin, ça, c'est le diable. Comme le conseiller Djenesh, on fait valoir de solides arguments. Le ah bon? Conseil est divisé. C'est pourquoi il n'y aura pas de sang versé aujourd'hui. Mais... demain. Sois prévenue, petite. Si tu deviens une menace, nous devrons t'éliminer. Pas aujourd'hui, mais demain. Conduisez-la à la tour de Binoy. S'il vous plaît, conseillère Bellette, c'est une cruelle sentence. La séance est close. Elle n'a causé aucun tort. Ah, mais la tour de Binoy, c'est quoi la tour de Binoy? Je pense que c'est une prison. Je vous en prie. Hein? Quoi? Pas question d'être encore enfermé. Non, lâchez-moi, lâchez-moi. Ne me touche pas, connard. Ah, mais arrive, hein. Ah bah coincé, une nouvelle fois. La vie de merde continue. Voyage de Frey dans le terrier du lapin, terminé. Sans d'expérience, c'est gentil. C'est gentil. Salle du conseil. Chapitre 2. Coincé. Une nouvelle entrée à tel fil dans les archives. Sauvegardez votre progression jusqu'ici. Oui.
Hop, chapitre 3, évasion. On vient de terminer le chapitre 2. Je sais pas combien il y a de chapitres, mais ils sont assez rapides aussi. Je dis aussi parce que Fire Emblem Engage, ça allait vite. Debout. Debout. Non, il a pas l'air de vouloir se lever. Debout. Il va s'énerver. Je vous cache pas que j'ai eu l'impression qu'à un moment ça avait craché. Debout, allez, lève-toi. Écoute, je suis prisonnière d'un cauchemar à des millions de bornes de chez moi. Je sais même pas si c'est le même univers. Laisse-moi crever en paix. Si tu meurs, ils se débarrasseront de moi comme d'une vulgaire babiole. Je m'en fous de ça. Juste, laisse-moi tranquille. Tu sais quoi? C'est pas ma faute tout ça. C'est ta putain de faute. Et dis-moi, en quoi c'est ma faute? Tu peux fermer ta gueule? Bien. Très bien, ça me va, je n'ai rien contre le silence. Fantastique. Ah voilà. C'est ton seul allié, mais tu te fous sur la tronche, c'est bien. On sait tous qu'elle va lui parler. Si tu la fermes pas tout de suite. Non, non, on a fait voyage, Frey, évasion. Après, c'est peut-être le chapitre 3 de la première section, tu vois. Parce que là, on est dans le voyage de Frey. Je pensais pas regretter Hell's Kitchen et son tribunal. Tu auras du mal à passer par là pour t'échapper. Sans deck. Bah, on va passer par la porte alors. Ou pas. C'est assez sombre. En même temps, il n'y a pas de lumière, donc c'est merde. Bien fermé. Bien sûr, c'est fermé. C'est une prison, c'est le principe. Putain, il n'y a rien à faire. La taille de la prison est quand même assez grande, non? Tu peux marcher. Hein. Ce malheureux saut t'aurait-il contrarié? Non, lui non. Mais toi, oui. À cause de toi, je peux pas rentrer à... New York. C'est vraiment si dur que ça à retenir? Oh, à peu près autant que bras droit. Si je me souviens bien, tu n'étais pas vraiment au mieux de ta forme quand je t'ai rencontré. Je comprends mal pourquoi tu tiens autant à retourner là-bas. Tu sais quoi? Je vais utiliser la magie pour nous faire sortir. Je te déconseille d'utiliser tes compétences devant eux. Pourquoi? Ils croient déjà que je suis à coquiner avec les démons. Soit, mais ils te pendraient pour hérésie. Comme à Salem, c'est ça? Suis-je censé comprendre ce que tu dis? Écoute, on a déjà essayé ta méthode, là on va faire comme je dis. Mais c'est ta méthode. Tu vois? C'est moi qui ai fait ça? Nope. Vite, enfile ça. Qui est là? Je viens te libérer. Passe ça et fais ce que je te dis. Ok. On va se foutre une cagoule et... Ok, c'est fait. T'as les clés. Toi. Ah non, ça va, c'est juste tu es celle qui m'a défendu au procès? Pourquoi tu fais ça? Parce que je te crois. Mais il faut se hâter. Comment t'as fait pour passer les gardes? J'ai préparé un gâteau avec de la potion de sommeil. Faut pas se fier aux apparences. Allons-y avant qu'il se réveille. Attends. Où est-ce qu'on va? Et c'est quoi l'idée? C'est dans une prison, meuf. Elle t'a défendu au procès, et pour l'instant, tu n'as pas vraiment d'autre choix. Pas faux. En tout cas, où qu'on aille, il me faut à bouffer. Voilà qui était inespéré. Tu trouves aussi? Tu as dit quelque chose? Quoi? Non, rien. Vas-y, après toi. Vue sur le saut. Non, ce n'est qu'un saut. Chapitre 3. L'étrangère. Ils ont vraiment bien peaufiné l'interface. Hein. Je trouve ça vraiment, vraiment bien foutu. T'es sûr que c'est une bonne idée? Tu vas pas avoir des problèmes pour ça? Ne t'en fais pas pour moi. Et puis, je ne pouvais pas rester les bras croisés devant une telle injustice.
Ça vous dit de vous bouger un peu? C'était qui ces gens qui dirigeaient le procès? Le conseil de Sipal? Ce sont les dirigeants de la ville. Ils règlent nos différends. Ils sont donc à la fois juges et jurés, hein? Pratique. Oui, en effet. Voilà, tour. Le design de la tour est trop stylé. Comme tu le vois, notre terre souffre. Tout ce que cette corruption touche... Se brise. Ouais. J'ai vu ça de près. C'est vraiment la merde là-bas. Yep. C'est répugnant. Eh oui. Atia est vraiment perdue. Elle est venue d'où, toute cette putain de brume? C'est vraiment... Je te raconterai tout, mais nous devons avancer. C'est vraiment traduit de l'anglais parce qu'on dit pas putain à chaque fois, nous. Alors qu'ils disent fuck à toutes les mots. Fucking, je sais pas, brume. C'est pas brume, hein, mais... Qu'est-ce que je veux dire? Du coup, là, c'est traduit putain à 24, mais vraiment new-yorkaise, quoi. Et où est-ce qu'on va, au fait? Nous devons nous rendre dans la ville basse. La ville basse. La ville basse. Pigé. J'ai hésité à mettre les voix en anglais, mais je me suis dit qu'après, il aurait fallu que je lise tous les dialogues, et comme il y a beaucoup, beaucoup de dialogues, je me suis dit, on va quand même garder... Qu'est-ce que tu faisais au procès, d'ailleurs? On va quand même garder les voix Personne en français. Personne n'est venu de l'extérieur que, de la ville depuis des années. Si le doublage avait été naze, je serais passé en anglais, mais... C'est ça, okay, la rançon de la gloire. Alors en fait, là, ils nous ont juste téléporté. Après téléportés, ce que tu appelles la putain de brume. Brume tout court, c'est bien. Voilà. Après l'apparition de la brume, les gens ont fui leur village. Sipal est le dernier rempart. Sérieux? Hype. Je vous conseille d'éviter les artères principales. Vous vous ferez moins repérer. Tu sais, on devrait éviter les artères principales. On se fera moins repérer. Tu as raison. Ah bah c'est pas notre idée, hein. Vous vous faites pas repérer par les gardes. Où sont-ils? Il y en a là-bas. Waouh, sympa. Ça, c'est de la baraque. C'est ici qu'habite la noblesse. Évidemment. Ah ok, comme l'Upper East Side. Ça n'est pas été En pauvres. Réalité, nous sommes au nord de la ville. Elle n'a pas compris. Déployez-vous! Elle ne doit pas être loin! Bah oui. Je crois qu'ils ont remarqué ta disparition. En effet. Restez dans l'ombre et continuez à avancer. En effet. Reste dans l'ombre. Bonne idée. Ah là là. Ah non, j'allais y aller en plein jour. Pourquoi tu n'es pas comme elle? Toutes mes idées lui plaisent. Oui. Ah, le garde est là-haut. J'avais pas vu qu'il était là-haut. Ça vous dit de marcher plus vite? Ça évite de faire du boucan, cela dit. Heureusement qu'il regarde pas derrière les caisses. Hein. On va attendre qu'il se retourne, le con. Allez-y. Là. Là-haut, il m'a pas vu, là. Il ne me voit pas. Ils sont vraiment bourrés, hein. Bien sûr. Mais bien sûr. Tu ne crains plus rien. Merci. On approche de chez moi. Viens, j'ai à manger.
Non, là, ça servait à rien, ce garde-là. C'était un peu léger comme remerciement. Les gens qui rendent service ont toujours une idée derrière la tête. Je suis méfiante de nature. Même avec moi. Évidemment. Sérieux, on est ensemble parce qu'on n'a pas le choix. Je peux pas me débarrasser de toi, c'est tout. Elle a quand même risqué sa vie pour te faire sortir. T'as raison. Ouais, mais et en plus, non. Elle m'a promis à manger. Tu n'es pas curieuse de savoir ce qu'elle veut? Moi, ça m'intrigue. Pour l'instant, tout ce que je veux, c'est manger. Alors, suivez Oden. Je suis là. On peut parler librement ici. Je suis Parfait. Oden Kin. Yes. Fille de Robian et Callista Kin. On s'en fout. moi, c'est Frey Holland. Fille de rien. Fille de... J'en sais foutre rien. Je ne sais pas quoi te répondre. C'est bizarre, ton père, il s'appelle Jean. T'inquiète pas. Et aucune il a pas importance, même que toi. Je m'en suis remise. Menteuse. C'est foutre rien, c'est pas cool. C'est pas comment. Mon père était un éminent connaissant. Un connaisseur? Un connaissant. C'est quoi ça? Ouais, enfin, connaisseur, connaissant, c'est kiff-kiff. Ben, c'est pas kiff-kiff. Un connaissant, c'est... tellement étrange, Frey. Ça... Les connaissances sont les érudits les plus respectés, ouais, d'Atia. C'est un titre. Ma mère était générale. Ouf, c'est lourd à porter, tout ça. Attends, était? Je suis seule depuis ma plus tendre enfance. Ah ben voilà. Je sais ce que ça fait. Je n'ai pas de parents. Des familles m'ont accueillie, mais jamais très longtemps. Donc tu dois penser comme moi? Qu'on s'est bien fait enfler. Qu'on doit aider les autres. C'est bien ce que je disais. Nul. C'est ici chez moi. Tu vis dans un bar? Au-dessus. Aux chaînes toujours ouvertes. Je t'apprécie de plus en plus. Alors, t'as à manger? Je pense que ça... La pomme. Tu l'avais sur toi depuis le début. Il fallait que tu me suives, Frey Holland, fille de j'en sais foutre rien. Juste Frey, ça suffira, et bien joué. Bon, merci de m'avoir tiré de là et pour la pomme, mais c'est là qu'on se sépare. Ne pars pas. Accorde-moi ton aide pour sauver mon pays. Ah, rien l'intrigue est résolue. Ne compte pas sur moi. Mais le cercle de lumière, le bruit d'ouragan, c'est ainsi que tu es arrivé, hein? Tu veux rentrer chez toi, non? Ouais. Je peux peut-être t'aider. Bah là, tu l'intrigues. Par contre, t'es mal à la taille de la pomme, quoi. Je rappelle qu'elle fait 1m80, cette fille. Est-ce que t'as une bière pour me convaincre? Et la pomme, c'est gigantosaurus, ce truc. Sympa. On dirait un genre de bar à thème. Désolé, je t'avais pas vu. Rends-le-moi. Donne. Deuxième règle du vol à la tire, jamais rendre ce que tu voles. C'est quoi la première? Pas se faire choper. C'est quoi ce truc? Quelque chose qui sert à que dalle ici. Bah alors, si ça vaut rien, pourquoi je peux pas l'avoir? Bien tenté, Minus. Allez, va-t'en. C'est les bonnes morales. Hein. Une pinte de ta meilleure bière, mon brave. Et avec quoi tu payes? Bah, un beau sourire. Plein de dents. C'est oh, tout. Elle tabasse. Vous rigolez pas par ici. Vie de merde, alcool fort. Allez, je t'écoute. Et fais vite, s'il te plaît. C'est généralement comme ça que ça se passe. Mon père se consacrait intensément à l'étude d'un phénomène appelé Torana. Torana? Le tunnel de lumière que tu as traversé? Ces travaux devraient répondre à tes questions. Je pourrais te les donner et... On y arrive. En échange, je veux que tu retrouves ces notes sur la brume. Elles sont... Dans la brume, hein? Bah oui. On dirait qu'elle n'a aucun effet sur toi. C'est ce qu'on dit. Beaucoup se sont aventurés hors de la cité, mais... Ils ne vont pas loin avant... Avant quoi? Bah de Clamcé, hein. Tu es notre seul espoir. Tu es spécial. Ok, clairement, tu me connais pas.
Je veux des preuves. Voilà. Suis-moi et tu en auras. Et merci. J'ai pas dit oui. Bah, t'as sous-entendu que si t'avais des preuves, c'était oui quand même. Donc à la base, on va suivre Oden encore. Mais l'entrée a été ajoutée dans les archives. Est-ce que tu la crois? J'imagine que tout est possible. Dit-elle à côté d'elle. Et ça te laisse au moins un espoir. Je ne veux pas avoir à retourner dans cet enfer. Allez, tout ira bien. Je serai avec toi, non? Ça me rassure pas. Bon, on a survécu à un dragon. Et ça nous a sauvés. J'ai l'impression. Donc c'est pas mal. Hop. Je pense qu'on va chez elle. J'ai permis de rentrer. Ah bah non. T'as pas dû. Examiner la pièce. C'est eux là? Tes parents? Oui. Ça a été peint quand on était à l'une des guildes des connaissants. Père était un des connaissants de Junun. Il a transporté tous ses travaux à Praenost avant que la brume engloutisse la guilde de Junun. C'est tout autant délabré que l'appartement. Donc de... ses recherches sont à Praenost, hein. Oui. Il m'a emmené ici en pour vrai. Me protéger de la brume. Mais là, c'est un peu plus logique. Mais il est très vite reparti pour mener à bien ses travaux. Pas autant délabré quand même. C'était il y a 20 ans. Oui, ça date. Je ne l'ai plus revu. Et la brume a fini par tout engloutir à l'extérieur de la ville. Ah bah, je pense que tu le reverras pas là. C'est fini tout. Ah, je peux. Je croyais que j'étais encore en cinématique. Tu pourrais me parler de lui? C'était un homme brillant. Aimé de tous. Il était sur le point de trouver un moyen de ralentir la brume, peut-être même de la repousser. Les gens avaient placé leur foi en lui. Ils pensaient que tout redeviendrait comme avant. Je fais de mon mieux pour poursuivre son œuvre et garder espoir. Tiens, ce sont ses notes sur les Torana. Sur les Torana. Ouais, c'est bien ce truc-là. Tu les auras après m'avoir aidé. Donnant, donnant. Je vois. Il gardait ses notes dans des carnets rouges comme celui-là. Je veux que tu les trouves et que tu les rapportes. C'est un carnet rouge, ça ? Ok, donc je vais chercher les carnets, je te les file et on est quitte. C'est tout ce que je dois faire, c'est bien ça ? Je ferai tout mon possible pour t'aider à rentrer chez toi. Tu as ma parole. Si tu mens, tu vas en enfer. Tu veux que j'aille en enfer ? Non, non, c'est ce qu'on dit sur Terre. Bon, laisse tomber. Je vais faire comme si tu n'avais rien dit. Bon. Ok, j'accepte. De toute façon, c'est pas comme si j'avais d'autres solutions. Oh, je suis heureuse. Tu es la bienfaitrice du peuple d'Atia. Je fais pas ça pour ça, mais si tu veux... Si tu comptes t'enfoncer dans la brume, tu devrais bien te reposer. Je pars demain matin. Où est-ce que je peux pioncer? Pioncer? Pioncer. Dormir. Oh, évidemment. Suis-moi. Il va falloir que tu parles dans un langage un peu plus raffiné. En vrai. Parce que là, pioncer, la pauvre. Juste là. Bon, ça, là. Tu peux utiliser cette chambre quand tu veux. Et je vais te préparer des vêtements de rechange. Merci. Tu me sauves la vie. Mais quoi là? Des potions. J'en avais plus. Dodo. Putain de journée. Fucking day. Je sais toujours pas si tout ça est vrai. C'est le cas. Dors maintenant. Une grosse journée t'attend demain. En effet. Ça te la fout de merde. Voyage de Frey, évasion terminée. Et on va réavoir voyage de Frey. Est-ce qu'il y a un autre truc? Sinon ça sert à rien de mettre voyage de Frey. On est d'accord, il y a forcément un autre titre à un moment. Mana plus 10. XP plus 120. Ils sont vraiment, 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 vraiment gérés leur menu. Je trouve. Je trouve ça très, très classe. Le jeu est très beau. Les menus, très classe. Les combats, les phases d'action étaient vraiment très cool. Ah ben voilà, ça c'est les habits qu'on a vus.
Elle a même changé la coiffure et tout. Ah, un peu plus équipé là. Mécanique de jeu, l'équipement. Et il y a beaucoup de choses en mécanique de jeu pour le moment, j'ai l'impression. On va pouvoir améliorer. Et voilà, pour le moment je suis très satisfait du jeu. L'équipement. Les différents éléments qui composent l'équipement permettent d'améliorer les compétences, caractéristiques et aptitudes de Frey une fois équipé. Pour en changer, rendez-vous dans la section équipement du menu principal. Consultez votre avec attention les effets des pièces d'équipement que vous trouverez. Il pourrait bien faire la différence. Cape à capuche. Cette cape est portée par les citoyens du Cipal au quotidien. Elle n'apporte aucun bénéfice particulier, mais elle est épaisse et résistante. Pas mal. Te voilà tout comme nous. Mis à part tes chaussures. Elles m'ont tiré de pas mal d'emmerdes. Je garde mes pompes. C'est comme ça. Si tu le dis. En même temps, je sais pas si tu auras aussi besoin de ça. C'est plus pratique pour courir. C'est une carte d'Atia. Cela t'aidera pour ton voyage. Ici, j'ai indiqué la guilde des connaissants. Parfait. On a une carte maintenant. La carte. Tutoriel. Ah non, oula. Archive. C'est vrai que ça, c'est pas très visible. Salle où se retrouve le comité, la carte d'Asia. Donnée à Frey par Oden, cette carte détaillée représente les quatre royaumes d'Asia, Junun, Praenos, Tavoelet et Fizoria, c'est ce qu'on avait lu tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, non. C'était pas tout à l'heure en plus. La dernière fois, et c'était même pas tout à l'heure. Ça hier soir, ouais, c'était la moins de 20h pour moi. En son centre, on se trouve Cipal, avant l'arrivée de la brume. Les gens voyageaient librement entre ces contrées, mais cette époque est désormais révolue et nul ne sait ce qu'il est advenu des régions représentées sur la carte. On a quoi la guilde des connaissants. Les connaissants sont un groupe d'érudits du premier ordre fondé à Visoria et chargé de rassembler et de compiler la totalité du savoir d'Asia pour que celui-ci puisse être ensuite utilisé au service du peuple. Installé au départ au sein d'un modeste établissement souterrain de Visoria, leurs activités se développèrent rapidement et les grandes tours ou guildes pour lesquelles on les connaît aujourd'hui s'élevèrent rapidement sur tout le territoire. Au plus fort de sa puissance, cette organisation comptait au total pas moins de 30 guildes et 300 érudits. Ils étaient admirés et considérés comme des personnes bienveillantes et très savantes, réputation qui a d'ailleurs valu son nom à cette communauté d'élite. Échappe. Voyage de Frey et la recherche de son... Les recherches de son père. Alors du coup, non. Mais... On va dire que oui. Hop. Alors, sort pourront être acquis avec le mana actuel tab. Ah, il y a. Ah, oui, d'accord. Ah, oui, il y a. Ok, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même. Foncé, ça c'est celui qu'on a. Ça va exploser niveau 1. Émergence, on n'a pas ça. Ça, c'est les 3 qu'on a déjà débloqués. Les 4 qu'on a débloqués. Génère des branches couvertes d'épines qui entraînent. Je crois pas qu'on ait. Sort ne peut pas être reconverti en mana. Ah, c'est ceux de base. Ok, ah non, c'est ceux que j'ai déjà en fait. Bah quoi, la multi-G niveau 2, multi-G niveau 3. Ça coûte 38 et j'en ai 20. Que celui-ci, liane de vie, matérialise un fouet de lierre virevoltant autour de vous en faisant les dégâts de zone et qui vous soigne à hauteur des dégâts infligés. Ça peut être pas mal ça. Ouais, on va faire ça. Progression initiale, parfait. On peut les reprendre en mana ceux-là, ok. Équipement. Cap à capuche, collier, j'ai des colliers, je crois. Allez, j'en ai un. Les ennemis peuvent être mis à terre plus facilement par la magie d'attaque déclenchée par le parcours. Autant l'utiliser, ça c'est l'après-coup. Augmente occasionnellement l'attaque suite à l'utilisation d'un objet de soin. Ok, il y a un autre truc ou pas? Non. J'adore porter celle-là. Vraiment? Elle ne ressemble pas à grand-chose. Ouais, j'avoue, c'est très moche. Ça n'a rien à voir avec l'aspect. Oh, laisse tomber. C'est pas super classe. On va changer ça. Tab. Équipement. Ça, et puis les effets que ça donne, de toute façon, c'est pas très intéressant.
on va pas en mettre. Regardez ce ça. Vêtement est d'une élégance très relative. Eh, on n'a pas le choix. C'est mieux que rien. Tout à fait, c'est mieux que rien. Du coup, on est à 6 pales. Il fait quoi le mec, il bouge pas. Tu n'emportes pas une pomme ? Une pomme par jour ? Et Frey n'aura plus faim en retour. Quel poète. Ça s'appelle du vol, hein, mais... C'est pas grave. Alors, comment on fait pour aller à cette guilde des connaissants ? Si la carte de la fille du peuple est correcte, il nous faut quitter la ville par la porte sud. Parfait. Ok, alors c'est parti. Ok, ok, on va s'arrêter là pour cet épisode de Forspoken. On se retrouve, je ne sais pas exactement quand pour la suite, mais plus tard dans la semaine. Ciao, ciao tout le monde.